Depuis 2 jours, 3 jeunes dauphins barbotent dans le port de La Rochelle. Manifestement perdus et désorientés, ils arpentent le bassin des chalutiers sous les yeux ébahis des passants. Les jeunes cetacés auraient profité de la marée montante pour venir chasser le mulet. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent plus la sortie. Des éclusiers les ont bien guidés vers le large, mais ils sont revenus et sont maintenant piégés par les écluses. Ceci dit, pour l'heure, les scientifiques ne sont pas inquiets. Les dauphins sont en bonne santé et sous bonne surveillance. Ils expliquent d'ailleurs qu'il n'est pas rare de voir ces mammifères se rapprocher des côtes en quête de nourriture. Hier, par exemple, 9 dauphins s'étaient aussi invités dans le port de Pornic. À La Rochelle, ce sont les spécialistes de l'observatoire Pélagis qui sont en charge de trouver une nouvelle solution pour les ramener calmement au large. Ils ont déjà essayé de les guider avec des kayaks, des barques et des sons désagréables vers la sortie, sans succès. Et il faut faire attention à ne pas s'acharner, les dauphins étant des animaux sensibles et cardiaques. Une nouvelle tentative est prévue pour la semaine prochaine avec un filet métallique, car même s'ils ont l'air de passer du bon temps, cabriole à l'appui, il faudra bien qu'ils finissent par rejoindre le grand bain.